Ah pourquoi tu t'arrêtes? C'est bon, j'en ai marre, tu m'as saoulé. Non mais je peux pas descendre ici, je connais pas. Je t'abandonne ici. Non mais t'es sérieux, Lily-Rose, tu peux pas lui laisser faire ça. Non, tu pars en fait. Mais j'ai rien fait. Je vous promets que c'est pas moi. Allez, sors. Mais vous m'énervez, je vais me débrouiller tout seul. Oui, débrouille-toi tout seul. Je vais me débrouiller tout seul. Oui. Non mais ma sacoche, non pars pas, ma sacoche. Non mais elle est vraiment en train de partir. Clara? Non mais elle est vraiment en train de partir. Je rêve. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le deviner, là, ça va absolument pas du tout. J'ai fait des pranks à Lily-Rose et Clara. Voilà, on était avec notre demi-sœur Clara, que vous connaissez, hein, vous l'avez déjà vue. Et j'étais avec Lily-Rose, là, on était tranquillement à la maison. Sauf que j'ai décidé de leur faire un prank. Oui, bon, j'avoue, c'était pas sympa. J'ai pris leur téléphone et je les ai mis dans les toilettes. Bon, c'est un prank qu'on a déjà fait plusieurs fois. Mais je pensais pas qu'elles allaient réagir comme ça. Elles m'ont dit, ouais, vas-y, on prend la voiture, on va te faire une surprise. Et là, on s'est éloigné à mort de chez nous. On s'est éloigné le plus... Enfin, elles se sont éloignées le plus possible. Elles m'ont abandonné. Sauf que je sais pas où je suis là. Oh. Et elles vont pas revenir me chercher là. Heureusement que j'ai pris mon téléphone parce que sinon je serais perdu. Et en tout cas, ils ont ma sacoche dans la voiture avec mon portefeuille et tout. J'ai même pas d'argent sur moi. Bon, les amis, je sais pas ce que je vais faire. Là, je vais essayer de trouver une solution. On se retrouve tout de suite. Bon bah voilà, hein, vous devez vous en douter. Ce qui devait se passer, s'est passé. J'ai marché pendant longtemps comme d'habitude, hein, voilà. Parce qu'à chaque fois, je crois que je peux trouver mon chemin tout seul. Sauf que là, évidemment, bah ça n'est pas été possible. Regardez où j'ai atterri. J'ai quitté la ville, voilà, donc là ça fait à peu près 1h30 que je marche, voilà, comme d'habitude, hein, ils m'ont abandonné, donc je me suis dit je vais essayer de me débrouiller tout seul, sauf que évidemment ça marche pas. Je suis en plein milieu d'une sorte de forêt, tout ça, bon j'entends des bruits au loin, donc je dois pas être très loin de la ville. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils m'ont abandonné pour des pranks, franchement. Là je vous le dis les amis, je vous donne une exclusivité, vous êtes les premiers à qui je le dis, cet été je vais préparer un maximum de pranks contre eux. Et là il n'y aura pas de « ouais Esteban on va te virer tout ça », c'est moi qui aurai les clés de la maison, s'il y a un problème c'est eux qui partiront. Et là sur la route dans la forêt du coup j'ai réfléchi à plein d'idées de pranks. En parlant de forêt, la prochaine fois que je les vois, je vais leur faire croire qu'on va partir en vacances à la plage, tranquille. Limite, je vais leur dire qu'on part en vacances au Maroc, comme ça, parce qu'on n'est jamais allé au Maroc. Voilà, on a très envie d'y aller. Dédicace à tous les Marocains qui regardent la vidéo, d'ailleurs. Je vais leur faire croire qu'on part en vacances au Maroc. Je vais leur bander les yeux et je vais les déposer en plein milieu de la forêt. Et on va voir ce qu'ils disent. Et limite, tu vois, Clara, notre demi-sœur, et Peppa Pink, je vais les attacher autour d'un arbre. Lily-Rose, je vais pas lui faire ça, elle est trop jeune. Voilà, je vais être quand même un peu sympa avec elle. Mais les autres, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Parce que là, ce qu'ils sont en train de me faire, c'est inadmissible. Moi, mon téléphone là, il a plus de batterie. Parce que j'ai utilisé toute la batterie pour essayer de les appeler pendant 30 minutes. Je les ai appelés sans arrêter. Non mais regardez. Regardez où je m'enfonce. Plus j'avance, plus je suis dans des chemins de terre. Ah oui. Autre chose, j'ai retrouvé ma sacoche, ils l'ont jetée sur le bord de la route, mais bon, ils ont vidé toutes les affaires, dedans il n'y a plus rien, il n'y a plus mon portefeuille, enfin bref, vraiment ils veulent m'embêter jusqu'au bout, c'est un truc de fou. Mais bon, là je sais pas quoi faire, donc je pense que je vais essayer de retourner vers la ville tout simplement, enfin là où ils m'ont abandonné, en espérant qu'ils ne me laissent pas passer la nuit dehors, parce que oui, je n'ai pas mes clés. Je n'ai plus de téléphone du coup vu qu'il a plus de batterie, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus de portefeuille. Donc en gros j'ai juste ma petite tenue comme ça pour tenir toute la nuit au cas où. Mais bon, il y a pire dans la vie, hein, voilà, il y a des gens qui font bien pire. Mais bon, moi ça m'embête un petit peu, surtout qu'on m'a viré de chez moi. Bon bah les amis, je vais essayer de rejoindre la ville et on va voir s'ils sont suffisamment sympas pour venir me chercher. Mais bon, croyez-moi, même s'ils reviennent me chercher... Là, je vais pas m'arrêter là. Ça, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Regardez les amis qui est de retour. Ouais. Non mais vous êtes sérieux? Bah oui, on en pouvait plus de tes pranks. Non mais t'en pouvais plus des pranks. Et d'ailleurs... Insupportable. Voilà, là, voilà, les amis, enfin, je suis rentré dans la voiture. Ah, parce que je vous ai pas raconté, mais j'ai essayé de rentrer chez des gens, en sonnant bien sûr, pour demander leur téléphone, pour pouvoir appeler Clara, Lily-Rose, pour qu'elles viennent me chercher. Elles n'ont rien fait. Là, ça fait une heure que j'attends là, sur la place de parking, debout, en espérant qu'elles viennent. Ah non, stop, c'est stop. On n'en pouvait plus, on t'a prévenu 36 fois. Ouais, bon, allez, on rentre à la maison, là, on arrête les bêtises. Et ne vous inquiétez pas, ça va être de pire en pire les pranks. Je prépare des petites choses, préparez-vous à des grosses surprises. Oh là là. Ouais.
Ouais, ouais, elle dit rien parce qu'elle sait. Un petit peu la tête, hein. Tu sais que ça va être toi la prochaine victime du prank. Ah, yes! Pas bon, moi, on verra. Allez, on rentre à la maison là. Et t'as de la chance. Les amis, on rentre à la maison. Là, je vais en parler à Peppa Pink. On va leur préparer des choses dès maintenant. Vous allez certainement voir dans la vidéo là. Je pense qu'elles sont pas prêtes du tout, oh les petites là. J'ai peur. Bon, allez, allez à la maison là directement. Coucou tout le monde. Voilà. Là, ça fait environ 5-6 heures que je suis rentré à la maison. Clara et Lily Rose m'ont déposé devant. Voilà, donc elles m'ont redonné toutes mes affaires, ça va. Elles sont parties dans leur coin, je sais pas pourquoi. Elles ont dit, ouais, t'inquiète, on va faire nos trucs. À mon avis, elles sont parties faire du shopping, acheter des trucs. Donc, j'ai récupéré Valentin. Salut. Qui, pour une fois, va m'aider. Voilà, il va servir à quelque chose. Enfin, le cousin relou. Aussi, t'inquiète pas. Ah, t'as envie de te venger, mais toi, elles t'ont rien fait. Ah, c'est si, Lily Rose, à chaque fois, elle me prank. Tout oui, le oui, temps. Oui, oui, non, mais allez. Ah, bon, oui. Écoutez, les amis, du coup, là, j'ai fouillé partout, regardez. La chambre de Lily Rose, elle est dans un bazar total parce que j'ai fouillé dans ses tiroirs, j'ai fouillé dans ses armoires pour trouver... Voilà, j'ai cherché son argent de poche. Je l'ai trouvé, les amis. Regardez, il est là. Là, il y avait 150 euros comme ça, donc j'ai trouvé son argent de poche. Donc, premier prank, première vengeance. Je vais prendre son argent de poche. Je vais rien lui dire, tout simplement. Je vais pas le découper tout ça parce que bon c'est de l'argent quand même hein, donc ah non j'ai une idée, je vais le donner à Valentin. Ah ouais s'il te plaît. Voilà allez j'ai 150. Voler ses affaires aussi. Non elle a plus d'affaires que écoute moi. On va pas voler ses affaires, on va pas faire un truc qu'elle va remarquer dès qu'elle va arriver dans sa chambre. Ouais. Mais les amis, j'ai pris une caméra de surveillance, voilà, que vous connaissez bien, on s'en sert souvent, sauf que là je vais la cacher dans la chambre de Lily Rose pour voir sa réaction quand elle va voir que son argent de poche a disparu et qu'on a mis un bazar complet dans toute sa chambre. Donc vas-y, on peut la cacher où? N'empêche, bah, ici derrière, là. Attends. Le B. Derrière le c'est B. Parfait. Derrière le B de bonjour. Elle va jamais le remarquer. Ici. Est-ce que l'argent de poche, elle le cachait là? Ouais, là, si donc, quand elle va s'en rendre compte, hop, ça va la filmer direct. Bon, on peut faire quoi cette fois? Ses pantoufles qu'elle adore. Non, mais là il faut faire un prank pour Clara. Ah, pour Clara, bah tu ouais, la connais mieux que moi. Ouais. Là, c'est bon, Lily Rose, bon. C'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Clara, j'avais pensé à prendre... Ah ouais, mais son téléphone, elle est avec elle. Bah, parce oui. que moi, j'aime bien faire des pranks avec les téléphones. Soit les mettre dans les toilettes, soit les mettre sous la douche, tout ça. Même changer soit... son code, ça peut être marrant, comme ça, elle peut plus l'utiliser. Ouais, changer le code de téléphone de Clara, enfin bref, je sais pas. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là? Je vous écoute, là, derrière la porte. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer encore, hein, contre Lily Rose et Clara? On est en train de faire des pranks. Ouais, là, ouais, parce... ouais, la dernière fois ça s'est pas très bien passé. T'as vu comment Lily Rose elle a réagi? Ah, bah oui, bah hein je sais, elle s'est retrouvée dans la forêt pendant. Elle était des en colère, hein? Et puis après, c'est moi qui subis tout, hein, sa colère. Oui, bah, non, alors dis-moi. On va faire un prank pour Clara alors, si tu veux pas que ça soit Lily Rose. Un petit prank alors qu'est-ce que vous avez choisi? Oui, bah. C'est quoi ces faux billets là? C'est un mois. Non, vas-y. Ouais. Bon, je sais pas quoi faire pour Clara. C'est le Vince ici. Oui, bah c'est le bazar. Enfin, j'ai cherché pendant une heure des trucs. Alors, Clara, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme prank? Pourquoi elle doit venir, Clara? Mais oui, oh, mais lui, il est à la ramasse totale. Bon, allez, pars d'ici. J'ai pas besoin de toi pour mes pranks. Allez, tu regarderas quand ça sera fait et voilà. Oh, non, mais lui, ça va pas du tout. C'est pas lui qui va nous aider. Bon, écoutez, je pense qu'on va faire un prank très simple. Je vais garder la caméra. Je vais attendre qu'elle revienne. Je vais attendre avec un seau d'eau. Et je vais, dès qu'elle va passer la porte de la maison, je vais lui jeter un seau d'eau sur la tête. Ouais. Hein. En plus, ton brushing, là, il sera... Et je vais tout filmer, je vais tout poster sur Instagram et TikTok. Comme ça, les amis, au moins, elle aura la honte de sa vie devant plein de monde. J'ai bon, une idée on va pour un prank pour Clara. Non, mais on sait, bon, on a plus besoin. On a un pistolet à eau. Oui, on a un pistolet à eau. Oui, bah si tu veux, tu tireras en même temps un pistolet à eau. Et puis on l'arrose. Oui, allez. Pas bête. Attends, je vais le chercher. Allez, oui, vas-y. Bon les amis, on va faire ça, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, bon, ça va me plaire. Là, pour l'instant, la vidéo me plaît pas parce que je suis resté dans la forêt pendant plusieurs heures. À la prochaine, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Ciao.